Eh bien bonjour tout le monde, c'est Super Brioche, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Super Mario Odyssey. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts, car peut-être qu'aujourd'hui nous allons vivre quelque chose d'exceptionnel. Parce que j'ai supputé un petit peu que peut-être nous aurions le boss final, la fin de l'aventure principale aujourd'hui. Il est temps d'en avoir le cœur net, voilà, de le savoir, si c'est la vérité. M'a-t-on menti? Enfin, m'ai-je menti à moi-même? Je ne sais pas. En tout cas, dans les commentaires, j'ai vu qu'il y avait des petites choses à faire dès le début par ici. Alors, si je ne me trompe pas, je peux devenir cette magnifique statue de Bowser. Alors, on va le faire tout de suite. C'est raté. Voilà. Ah, voilà, magnifique. Bon, je ne peux pas m'avancer dans n'importe quelle direction. Voilà, très bien. C'était juste pour une petite lune cachée. La petite lune de début d'épisode qui fait toujours plaisir. La petite lune qui tac, tu vois, on est direct dedans. Il faut claquer du doigt, c'est très important. On va aller voir en bas parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit truc. En quel honneur, je ne sais pas. Par contre, puis-je devenir l'un des vôtres? Oui, je peux devenir l'un des vôtres et je peux m'envoler. Merveilleux. Merveilleux. Voler plus vite en secouant la manettasse. On prend des piénasses aussi. Je sens que je prends pas le chemin qui devait être le chemin principal, mais est-ce vraiment un problème? Je ne peux pas aller en hauteur, par contre. J'en profite pour faire le tour au cas où il y ait des petites pièces violettes ou quelque chose, un petit passage, tu vois, un petit truc. Secoue la manette! Secoue la manette! Secoue, 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 secoue. Y a rien du tout? Eh, je suis choqué. À quoi bon avoir un petit personnage qui vole ici? Si je ne peux pas choper un petit truc. Quelle déception, mais déception. Bon, c'est pas grave. Hop là, voilà. Ne vous dérangez pas pour moi. Nous allons continuer l'exploration des choses. Voilà, des choses cachées. On dirait qu'il y a un truc derrière la lave, moi je vais pas dire, mais bon. Bonjour, je suis un tank. Tac, 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 tac. De toute façon, c'est normal, je suis un tank dans tous les jeux. C'est encore le moment de parler de World of Warcraft, qui est toujours là pour faire plaisir, World of Warcraft, qui... Voilà, hein, quand il y a quelque chose à dire, on est sur WoW et il n'y a pas de souci. Allez, dégagez tout le monde, là, voilà. Ah, ok, mon tank m'a laissé tomber. C'est pas grave, c'est pas grave, je vais prendre ce magnifique point de vie. Voilà, j'en perds même... Oh, il me pousse! Comment il me pousse, le monsieur? Je vais voir là-bas, je vais voir là-bas, je vais voir la ville, la ville, la ville, la ville ne se cache pas. Ça peut être complètement scandaleux. Quoi? Je suis scandalisé, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai absolument pas lâché, le jeu a lâché tout seul. Génial, génial. Et j'ai envie de vous dire qu'on est pas très bien cadré aujourd'hui, là. Je voudrais relever un petit peu, mais bon, je suis pas satisfait. Finalement, sur le chemin principal ici, il n'y a rien. Ce que j'ai appelé le chemin principal, c'est pas le chemin principal du tout. Il y a des pièces SIDA. Je sais pas comment on les récupère, puisque mon petit bonhomme ne vole qu'en horizontal. Il ne grimpe pas. Donc je ne sais pas. Je sais pas du tout comment on y va. Peut-être qu'il y a un poteau sur lequel je peux grimper. Peut-être que si... Non, non, je sais pas du tout. Là, pour le coup, je sais pas. On verra plus tard. On va essayer de revenir là où on en était. Voilà. Ne vous dérangez pas. Bonjour, merci. Ah, genre ça l'a pris et tout. On va essayer de casser ce qu'il y a là-bas. C'est bon, je l'ai cassé. Je l'ai cassé. Viens là, toi, viens là. On va s'envoler grâce à toi, grâce à ta magie. Merci. Mais avant de voir ta magie, nous allons passer. Mais je suis choqué, je suis scandalisé. Ah! La clé. J'ai la clé de la vérité. Et il remonte. Donc il remonte en vertical, mais jusqu'à un certain point, quoi. Jusqu'à ce qu'il arrive. Voilà, au maximum de sa capacité. Et c'est pas grave. On peut pas être toujours à son maximum. Hein. Moi-même, j'en suis la preuve. Mon maximum, il est comme ci, comme ça. Voilà, donc... Hop là. Hop là. On monte d'un étage. J'ai pas besoin de cœur, j'ai pas perdu de PV, voyons. Oh! Vous avez vu là-bas? Il y a un espèce de petit truc.
Alors si je trouve un petit bonhomme pour m'envoler, peut-être que je peux passer par là. Alors attends. Raté. Démarrage de la plateforme. Oh là. Est-ce que vous voulez venir avec moi, monsieur? Allez, venez. Pa. De toute façon, je crois que j'ai pas le choix parce que voilà, je serais pas, j'aurais pas réussi à casser ce qu'il y a là-bas ou à passer par-dessus. Voilà. Oh là là. Et vous croyez qu'une fois en haut, on a le fameux boss final? Eh bien, il y a toutes les transformations quoi, c'est la folie. Ah d'accord, donc j'ai pas le droit de ramener mon pote. Très bien. Eh bien. Voilà, vous avez grillé! J'ai besoin de vous, je pense. Non, je fais n'importe quoi. Oh là là, ça. Ok. Hé, tire-toi. Mais pourquoi il veut pas? Ah d'accord, c'est ma faute. C'est pas grave du tout. Voilà. Ok. Ok, très bien. Ça s'est passé. On check autour de nous. Et n'empêche que c'est bien décoré, quoi. J'imagine les broudales, c'est venir là. Oh, je vais mettre un petit nœud rose. Ou Bowser, carrément. Paf. Qui pose ses gros pieds. Ouais. Bonjour, monsieur, bonjour. Enchanté. Je suis un grand fan. Merci. Rigolo. C'est très rigolo. J'ai très envie de l'utiliser pour aller voir le truc que j'ai vu de l'autre côté. Mais tu tournes pas dans le bon sens. Ça sent la mort. Ça sent clairement la mort. Voilà. Et le problème, mesdames et messieurs, c'est qu'il n'y avait pas de checkpoint. Ah si. D'accord, donc il y avait un faux checkpoint, très bien. J'apprécie ce scandale. Alors, je voudrais faire ce que je veux et aller en direct. Non, de l'autre côté. Mais c'est pas normal, je vais à gauche, il va à droite, ce machin chose. C'est n'importe quoi. Je n'ose pas accélérer. J'y vais tranquille. Pépouze. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je peux atteindre ces trois pièces-là avec cette bombe, avec ce missile magique. Oh, ok, au moins on n'est pas venu là pour rien. Merci. À votre gauche. Oh, magnifique. Vas-y, j'accélère. J'accélère, vas-y. Magnifique. Ok, on a réussi, comme une balle jusqu'au coffre. Ok, donc c'était bien la bonne manière de faire. Ramenez-moi vers la vie, s'il vous plaît. Merci. Nous pouvons maintenant parcourir le monde en toute liberté. Regarde ça, j'ai pas peur moi. J'aurais peut-être dû faire un petit truc avant. Non mais jugez pas, moi j'ai vu des pièces, j'y suis allé. On va quand même. Voilà. Ah. Déjà. Derrière le mur de protection. Très bien. Ici, il y a des pitis. Oh, c'est bon, c'est rien. Il va exploser. Non, c'est bon. Est-ce que vous croyez que je peux faire ça? Ah!
Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Magnifique. Magnifique, magnifique. C'était, franchement, c'était tout bête. C'était vraiment tout bête. C'est moi où il y a un autre truc là-bas. Non, non, c'est bon. Ok. Prochaine étape. Monsieur aux lunettes, là. Attends. Ah. Alors, attends. D'une part, il est invisible, le chemin, mais en plus, il reste pas. D'accord, ça veut dire que je dois pas y aller avec toi. Non, je l'ai raté. J'ai eu les pièces, donc cette fois on pourra passer, c'est pas grave. Est-ce qu'il me remet aux bombes ou est-ce qu'il me remet à la patatoune? Il me remet aux bombes, super. Ok. C'est pas compliqué. On a juste eu un tout petit problème de timing. Voilà, magnifique. Est-ce qu'il n'y a pas une petite pièce d'action là qui se passe par là? Non. Il y a peut-être des trucs en bas là parce que... Ce serait pas impossible qu'il y ait des trucs en bas puisqu'on peut venir avec le missile jusqu'ici. Il y a peut-être quelques pièces en bas. Dis donc toi, je t'ai jamais vu. Oh là. Ah, il a l'air sympathique, lui. On va casser les cailloux. Donne-nous des pièces violettes. Non, des pièces violettes. Ah, il saute pas, par contre, c'est tout. Il ne sait que foncer, tête baissée. Tête bêche. Ok, faut aller à gauche. Hop là, on contourne les pépites de chocolat. Oh, is. Il faut que tu viennes avec nous là pour aller là-bas. J'ai un peu peur de ce que je vais faire, mais... Ok, je l'ai fait, c'est bon, ça passe. Très bien. Et maintenant, tout droit vers la vie. C'est bon. Faire le tour. Hop là. Est-ce que c'est la fin? Oh, ça fait trop longtemps, toi, Madame Broudal. Ça doit être la maman, ça. Ça, c'est la daronne. Oh, regardez-moi ça. Oh, là, on a fait des enfants, elle. Ouh, ya. Tu te souviens de moi, la délicate Madame Brood? Tu as traité avec si peu d'égard au pays des chutes, tu m'as... Tu t'es montré tout aussi discourtois avec mes chers petits Broudals. Oui, c'est bien la madré. Ok, vas-y. On traite ton compte, là. On a perdu assez de temps. Ta. Pim. Et voilà, madame. Ça fait du bien, ça, hein. Attention, parce qu'elle doit avoir des super attaques maintenant. Ça va, elle a pas trop l'air méchante. Voilà. Méchant chien! Elle veut me taper, là! Et bim! Et voilà, madame. Vous n'êtes pas assez rapide. Aïe. Ça craint. Je suis un tout petit peu tendu. Non, ça va. Merci d'être tombé de ce côté, sinon on aurait eu une vue horrible. Même pas, t'as une petite lune à nous donner. Vu la taille de ton séant, t'aurais pu en avoir une de lune. Hein.
La musique s'est-tu. Sommes-nous devant l'église? Je crois que oui. Il faut que je redémarre la cam. Coucou? Coucou. Voilà. Oh, la vue, quand même, la vue sur la planète, ça, c'est trop la classe. J'adore l'espace. J'aime l'espace. Ok, on va aller dans le temple du temps. On va d'abord faire le tour, hein. Attends. Voilà. On va essayer de faire une miniature avec ça, on verra bien ce que ça donne. J'aurai peut-être l'occasion de trouver autre chose. Oh, allez, on va dedans, c'est bon, on va dedans, là. Faut qu'on complète tout ça, là, il faut qu'on sache, Mario. Oh là. Salle des fêtes. Ah bah, c'est quand même un petit peu... Toc, toc. Ok, c'est bon, on a trouvé la miniature. C'est vraiment sa bague de fiançailles, ça? Et qu'est-ce que vous faites là, vous? C'est pas du tout ça, moi je rentrais bien à la maison. C'est pas tout ça, mais moi je rentrais bien à la maison. Qu'est-ce que vous faites là pour faire la fête? Juste à temps. Mais vous vous rendez pas compte que c'est pas... Eh oh! Pourquoi mes amis sont là genre... Oui, vive Bowser et Peach! Je suis choqué. Tu t'invites au mariage, Mario, mais venant de toi, je trouve ça bien prétentieux. C'est quoi cette tenue? Tu te prends pour qui, Nabo? Y'a pas de place pour toi ici! D'ailleurs, tu vas connaître le même sort que le bouquet de la mariée. Je vais te balancer loin derrière moi. Et basta! Allez! Oh, ça y va en punchline, là. Hop, 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 hop. Ok. Essayons de comprendre comment monsieur fonctionne. Il balance son chapeau. Est-ce que je peux l'arrêter, son chapeau? Oui. Ah ah! Attention, attention! Ouh, on l'a échappé, belle. Vite, 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 vite. Nickel. J'allais sauter dans le vide. Attention. Ouf. Il est rapide, hein. Ok, le retour du chapeau. Avec trois chapeaux faux. J'arrive. Je saute. J'esquive les bouboules. Oh non, les piques aussi. Oh là 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 là. Et attention, je tape. Bouclier, je me casse. Et je saute. Et j'esquive. Oh. Oh là, ça va être chaud du pâté. Dégage. Oh, ça va pas être chaud. Ça va être tiède. Ça va pas être simple, quoi. Ah, mais dis donc, il me remet directement ici. Ça y est. Merde, non. Oh, il le fait deux fois.
Ça veut dire qu'après il va le faire en 3 fois ou du moins plus d'une seule fois. Oh non, le feu, on va crever, on va crever. Ah! Oh là là! Ah, ça me fait tellement peur! Non, on a qu'un PV, c'est horrible, j'aime pas ça, je stresse trop là! Je stresse trop! C'était trop. Il me faut 3 PV. Je suis sûr qu'on peut, on peut choper. Attendez. On nous remet ici, on nous remet pas dans la salle. On doit pouvoir trouver un petit cœur de 6 là-dedans. Il devait y avoir un petit cœur qui se planque dans les invités là. Vous savez, pas honte d'être tous là, je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Vous êtes là pour sauver la princesse? Quelle audace et quel courage! Vous avez été capturé, disons. Enfin, j'espère, quoi. Si je passe derrière. Non, j'ai pas de cœur à 6, quoi. Va falloir se le faire comme ça. D'accord. Ah! Ah oui, d'accord. Alors lui, ça m'étonnerait qu'il vende des lunes. Il va seulement me dire... Bon, seulement 50 pièces! Je peux te donner un cœur de zoin? Bien sûr, mon petit pote, bien sûr. Alors, c'est hors de question. Voilà. Je ne me ferai pas avoir par le capitalisme, ok? Le capitalisme, il ira se faire voir. Genre, oh, tu as un besoin, tiens, le voici pour 50 pièces, hein. Voilà, bravo! Bravo, quel exemple pour la jeunesse. Non, nous, on va y aller à la performance, à la persévérance, d'accord? On va faire ce boss avec seulement 3 PV, et ça se passera très bien. On n'a pas besoin du mode facile, ok? Voilà, approche. Vas-y, je te rentre dans le lard, là. Hop, vas-y, balance ta boulasse. Je zigzague. Je tapote, voilà, tourne. Hop, et je t'achève. Merci. Allez, next. Là, le feu fait mal. Le feu fait vraiment mal, hop là, attention, il revient tout de suite. Hop, oh. C'est ça qui me fait des dégâts, quoi. Là, il y a le chapeau. Voilà, le chapeau faux. Ils vivent la Bretagne, quoi. Je sais pas pourquoi. Mais... Est-ce qu'il a des chapeaux ronds? Ça, c'est pas un chapeau. Bref, je me tais. Voilà, je me concentre. Je zigzague. Et je tape. Je bouclier. Voilà, je tourne. On a vu qu'il le faisait 2 fois. Et... C'est bon. Magnifique, on va le faire, je vous jure. Là, il y a les flammes. Il le refait. Oh non, pas les flammes. Arrête-toi, non. C'est terrible, c'est affreux. Il se moque de tout. C'est terrible. Oh, wow. Mesdames et messieurs, nous sommes aux flammes doudounes. Oh là 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 là, les flammes doudounes. J'y crois à mort. Oh my god. Va-t-on le faire en perfect? J'ai même pas eu à ramasser des cœurs, même pas.
Ok. Oh, pas ok, pas ok. Il y a les apéricubes qui tombent dessus, il va falloir se casser, vite, 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 vite. Oh, c'est pas terminé. Oh, c'est pas terminé. Mon dieu, il y en a encore un autre derrière. Lève-toi, Mario, lève-toi. Oh merde. Où sont les demoiselles? Elles sont juste là-bas, mais... Il se passe ce truc de... Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est simple, regarde. Oh, cette moustache! Trop fort. Trop fort, vas-y. Cracher du feu. Faut qu'on se dépêche de sortir d'ici. Bah vas-y, 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 vas-y là. Alors dès que tu touches un caillou, le truc s'écroule. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Saute, saute, saute. Je sais pas s'il y a des pièces violettes à récupérer ici, si c'est un niveau important. Où suis-je? Ok, ok, le truc tombe. D'accord, 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 d'accord. Nouveau en 2D. Niveau en 2D. Mais on y va en 2D en bosy. Zoup. Bah dis donc, avec ça les tuyaux sont pas bouchés. Ah, c'est trop bien, c'est trop bien. Attends, 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 parce qu'il glisse un peu le bazar. Oh là 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 là, oh là 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 là, je suis pas assez rapide. Je crois que je ne suis pas assez rapide et que tout va s'effondrer. Oh yo. Ok. Ok, 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 c'est peut-être bon en fait, c'est peut-être un peu scripté. Ok. Pas le temps de tout casser là. Tu avances. Pa 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 pa. S'il y a un trou dans moi, oh. Ok, c'est bon, je pense. What the fuck, ouais, cette musique, j'ai l'impression d'être dans Sonic maintenant. Je vois l'extérieur, on y est presque. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je crois qu'il faut que je casse les poteaux. Merde, fallait que je casse les poteaux. Ça sent la fin, les amis. Ça sent la fin. La fin de l'aventure principale. Vite, 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 avant que tout s'écroule. Ah, mais tu me diras, le temps que ça se tombe, ces machins. On a le temps de passer 10 coups. Et bim. Oh là, le sol... Ah, d'accord, faut pas toucher, faut pas toucher. Le sol s'effondre. C'est bon. Je passe. Je passe. Je passe. La péricube. C'est bon. Oh mon dieu. Bon, j'ai bien peur qu'on ait détruit la lune hein, dans le délire, mais c'est pas grave. On recyclera. On fera une lune. Non, c'est bon.
Je viens de prendre un énorme stop par piche là. Elle abuse complètement, attendez. Genre non mais je refuse qu'on se batte pour moi. Vous n'êtes que des mâles alpha décérébrés. Non mais c'est quoi ce travail? Moi je voulais mon petit bisou de fin quoi. J'espère qu'on l'aura si on a toutes les lunes. Peut-être qu'il y a une autre scène, peut-être qu'il y a un petit quelque chose. Mais ça va pas du tout ça piche. Ça va pas du tout. En mode femme rebelle. Strong independent woman, tu vois. Ah! Elle a gâché mon fun. Bon, en tout cas, ce boss final, et ce jeu en général, était absolument exceptionnel. On n'en a pas terminé, on va compléter encore ces lunes. Je veux savoir ce qui se passe avec ces bordels d'apéricubes maintenant. On va pouvoir le découvrir, on va avoir le monde champignon à explorer. On a beaucoup de choses à faire encore. Est-ce que je peux passer ce générique? Oui, je peux, je le passe. Parce que je n'ai aucune pitié pour le générique. Moi, je veux voir ce qui se passe ensuite. Y a-t-il une scène? Oh, 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 oh. Ok. Donc ça, d'accord. On s'en doutait, puis vous m'en aviez un petit peu parlé. Très bien. Et pour le pays champignon? Nintendo is the author of the software for the purpose. Mais on s'en fout, c'est quoi l'intérêt maintenant de me dire ça? Vous pouvez vous rendre au royaume champignon. Ok. Pas de scène, juste tac, tac. De nouvelles lunes sont en vente dans les boutiques. Accéder aux musiques du jeu depuis l'écran de la carte. Très bien. Royaume champignon, château de Peach. Voilà par quoi on va commencer. Bon, la lune est partie là-bas. Donc, il y a Bozy qui se planque là-bas. On l'a laissé là. Pas de souci. Bonjour. Tout est si calme, si paisible. C'est comme si notre voyage sur la lune n'avait été qu'un rêve. Mais non, on a bel et bien sauvé nos chères demoiselles. Tout est bien qui finit bien. Enfin, vite fait, mais on n'a pas eu notre petit bisou, on pouvait se marier, quoi. On était prêts, là. Cela dit, je préférerais que tout ne finisse pas maintenant. Il nous reste tant de choses à accomplir, tant de chapeaux à découvrir. Et puis, si on collecte davantage de lunes de puissance, on pourra sans doute voler vers de nouveaux horizons. En fait, tout est bien qui ne finit pas, pas vrai? Pourquoi s'arrêter alors qu'on peut continuer? Allez, en route! Et si on se dirigeait vers Château de Peach pour commencer? 250 lunes de puissance au compteur. On peut rejoindre le côté obscur de la lune. Oh, on a déjà un nouveau monde en fait. On a déjà un nouveau monde. On a deux nouveaux mondes qui s'offrent à nous en fait, là, comme ça. Bim. Des pièces, il y en a déjà 100 ici, tu peux t'en douter. On va aller checker vite fait la boutique. C'est quoi la tenue du coin finalement? C'est un peu ma tenue à moi. Eh, je suis votre pote, vous allez me faire un petit prix quand même. Ah, casquette 64. C'est la tenue 64, magnifique! Génial. Ok, 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 c'est une tenue un petit peu pixel, enfin, pas, je dirais pas pixel, je dirais rétro, comme c'est écrit, mais polygonal. Voilà. Le polygone, c'est très beau. Et genre, toi, tu vas vendre une... Enfin, une lune, une étoile. On a reçu de nouveaux articles, donc... Non mais, sérieux? Casquette classique, tenue classique... Ah, la fameuse tenue squelette à 9999. Docteur Mario, Luigi, Waluigi, Nintendo, Donkey Kong, Wario... Ok, bah il va falloir économiser pour la tenue squelette. Tenue osseuse très usée. Très bien. Et maintenant je suis votre pote quoi, enfin, on travaille... Ça craint quoi. Faites-moi un bon prix, c'est dingue ça. Les types, ils en ont rien à foutre quoi, qu'on ait sauvé le monde encore une fois. Non, 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 non. Si tu veux quelque chose, tu l'achètes. Ok, on a clairement énormément de choses à voir ici. On ne va pas l'explorer aujourd'hui. Hein, ce sera pour la prochaine fois, je pense. Ce que je veux savoir, c'est à quoi servent les apéricubes. Donc on va aller dans un monde qu'on a déjà exploré. Sans doute le pays des chapeaux, hein, le tout premier, puisqu'on va compléter petit à petit. On va sûrement compléter un peu quelque chose aussi en live.
On va faire des épisodes classiques, mais on va aussi en faire en live, parce qu'au bout d'un moment, quand je fouillerai et que je ne trouverai plus, eh bien, ce sera peut-être plus pratique en live, parce que vous voyez parfois des choses que je ne vois pas. Comme les pièces violettes de chez Bowser, j'en ai raté au moins 3 qui étaient bien visibles à l'écran. Bref, l'Odyssée a obtenu plus de puissance, donc on a accès à un nouveau monde. Mais encore une fois, pas pour maintenant, hein. On peut désormais voler jusqu'au côté obscur. Je crois que ça fait de nous de véritables explorateurs. Côté obscur, ok, donc il y a plein de nouvelles choses là-bas. Je sais pas s'il y a encore 50 pièces, enfin bref, ça va être un peu long. On va retourner au tout début. Non, bah d'ailleurs, c'est pas au tout début, c'est ici, voilà, pays des chapeaux, puisqu'on sait que la péricube est assez accessible. Donc allons le choper. Et je crois que si j'ai 500 lunes, j'ai aussi accès à un nouveau monde. Alors, est-ce qu'on me dit quelque chose? Regarde ça. Je sens comme une grande concentration d'énergie. Allons voir. Ah, c'est bizarre de revenir ici aussi, hein. Alors, le problème, c'est que pour aller là-bas, qu'est-ce que j'utilisais pour voler? Des petits Goombas ailés. Ah, regardez, c'est tout propre. C'est rangé, les maisons sont plus cassées, c'est magnifique. On avait vu ça? Il y a tellement de nouvelles choses. Ça va tellement être long pour découvrir tout ça. Le jeu ne fait que commencer. Je sais que ça vous met en joie et ça me met en joie moi aussi. Bonjour toi. Je me dépêche, la caméra va bientôt tôt. Il y a bientôt tôt, oui. Bientôt tôt s'arrêter. Cet épisode va être long, je pense. Faut que j'ai mis plusieurs essais à avoir Bowser, donc je pense que ça va couper pas mal. Alors, qu'est-ce que je fais ici? D'accord. Ça a projeté plein de lunes partout. Ce drôle de rocher était probablement une météorite tombée de la lune. Ah, donc il y a effectivement plein de lunes, mais en plus elles sont marquées. D'accord. Et ben voilà, plein de lunes. Il y a 31 lunes ici. Je crois qu'il y en avait 19 au début, non? Non, je sais plus en fait. C'était peut-être 31 depuis le début. Ah non, regardez. On voit, bah voilà. Il y en avait 17. Et il y en a plein de nouvelles qui sont marquées. Le jeu va être tellement long à compléter, chers amis. Chers amis, on n'en a pas terminé. Par contre, en live, ce sera beaucoup plus pratique, hein. Ça, c'est clair. Je pense qu'il y en aura de temps en temps. Il y en a qui sont juste là, quoi. Elles sont tombées. Genre, pouf. Voilà. Prends-la, elle est posée. Merci. Très bien, on va pas s'amuser à récupérer tout ce qui est tombé pour le moment. Voilà. On va s'arrêter du coup pour cet épisode, puisqu'on a complété l'aventure principale. Pour les lives, vous serez bien sûr prévenus, il n'y a pas de problème, il y aura des rediffs, il n'y a pas de problème. Il n'y aura possiblement pas de montage comme d'habitude sur les rediffs, hein, ce sera surtout bruit de décoffrage. Mais au moins, on pourra bien avancer et vous pourrez m'aider si je ne vois pas des choses. Par contre, hors de question de me dire les solutions, hein. C'est si je ne vois pas qu'on me dit. Attention, sinon c'est nul quoi, ça sert à rien. Par contre, vous m'avez remis ma tenue classique. Peut-être que je rechangerai. Je mets bien ma petite tenue de mariage. Moi, j'ai fait coucoune dedans. Bref, on se laisse. Des bisous. Amour, volupté et sandwich pour vous. À très bientôt.